Eh bien, bonjour et bienvenue à tous. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une heure et demie. Et aujourd'hui, je reçois deux invités qui vont se présenter. Salut. Bah alors... qui vont se présenter l'un après l'autre. Alors, je m'appelle Jacques. Je suis UX UI designer junior. J'ai fait la Creative Jam avec Nicolas Griff. C'est là où je l'ai rencontré. Je pense qu'on va parler de ça. On va parler beaucoup de cette Creative Jam parce que ça va être exactement le sujet du jour. Nickel. À toi. Et du coup, moi, je m'appelle Nicolas Griff. Et donc, du coup, je suis graphiste freelance. Et bah, pas plus pour l'instant. Pas plus pour l'instant. Ouais. Ok. Je laisse un peu de suspense. Tu laisses un petit peu de suspense, ouais. c'est une bonne chose. Alors pour ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois, bienvenue. Vous êtes sur la chaîne YouTube Adobe France. Je suppose que vous savez comment ça fonctionne. Il y a un bouton abonné pour ne pas rater le début des prochaines sessions, la prochaine fois, voilà. Si vous arrivez sur le replay, vous pourrez laisser des commentaires. Mais si vous êtes en direct, vous avez un chat pour pouvoir échanger avec nous, pour pouvoir poser les questions en direct à nos invités. Il y a toujours un léger différé, donc on a une petite trentaine de secondes entre nos questions et vos réponses. Mais du coup, ça me permet de dire bonjour à Minato, Funzi, TMPX, Patrick. Vous êtes les bienvenus aujourd'hui et surtout n'hésitez pas, voilà, si vous avez des choses, des idées. Bonjour Amina, bienvenue d'Algérie, bienvenue de Crépy-en-Valois, bienvenue de Trocadéro. Bah, parfait, on a du monde de partout. Ouais. C'est beau. Donc la session du jour va être dédiée à un outil qui s'appelle Adobe XD. Et le lien de cette appli avec le métier de designer. Alors on me demande un peu plus de volume. Je vais essayer de mettre un peu plus de volume, mais j'ai peur que ça clippe aujourd'hui. Check. Voilà. Est-ce que c'est un peu mieux pour vous? Un petit oui, un petit non dans le chat dans 30 secondes, parce que ça, c'est toujours le risque dans ces cas-là. Bonjour Mickaël Garcia. Bonjour Mickaël. Donc je vais vous faire très régulièrement participer dans la zone de chat pour que vous échangiez avec nous, notamment sur la question de la manière dont vous travaillez. Et la première question que j'aurais donc pour le public, ce serait: est-ce que vous connaissez déjà Adobe XD? Donc vous m'écrivez XD 0, 50 ou 100%. Genre 0, vous en avez jamais entendu parler, je sais même pas comment vous êtes arrivé sur cette chaîne. 50, c'est vous en avez entendu parler mais vous n'avez pas encore pratiqué, et 100% c'est devenu votre outil de travail, parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais on vous aime quand même. Même les meilleurs. Je vais vous partager aussi mon écran dans un petit instant, voilà, juste histoire de rappeler ce qu'était la Creative Jam for Good, qui est un événement qui a eu lieu en partenariat avec le laptop. On retrouve ça sur les meetups, donc les meetups des All Creatives in Paris, sur lesquels vous pouvez vous inscrire évidemment, et il y a régulièrement donc des Creative Jam, régulièrement des Meet the Talent, et donc sur cette session de Creative Jam for Good, eh bien vous étiez venu nous retrouver, travailler, partager vos projets, partager la manière dont vous bossiez, et c'était quelque chose qui s'était fait en plusieurs étapes. C'est ça. En gros, ce qu'on a fait, c'était que... c'était sur deux jours. On est venu, on nous a expliqué un petit peu en amont le sujet, le thème global, qui était le thème de la santé, dans n'importe quelle façon. Mm-hmm. Et du coup, à partir de ça, il y a des personnes qui sont parties sur des choses sur tout ce qui était la nutrition, d'autres qui étaient parties sur comment se déconnecter de son portable, de son ordinateur pour vivre un peu plus pleinement. Et à partir de là, nous, on a commencé à discuter d'un sujet qui nous touchait régulièrement. Et en fait, on est parti sur le carnet de santé connecté, qui était quelque chose... C'est évident à première vue quand on parle de santé, mais qui en fait n'avait été abordé par aucun des autres groupes. Donc il y avait une dizaine de groupes, il me semble. Une dizaine de groupes qui étaient venus travailler, qui étaient venus partager sur le,
sur le même thème. Alors, vous avez découvert le thème le jour, de toute façon, de la Creative Jam, en amont. Le thème avait été annoncé, et il y avait même trois grandes pistes, entre guillemets, qui avaient été lancées. Donc, c'était celle que Jacques a rappelé à peu près. C'était la santé, le fait que la déconnexion, et l'autre, c'était le bien-être, je crois, ou quelque chose comme ça. Alors, attends, regarde, on va faire un truc. Parce que je sens que Jacques est tout à fait capable de parler plus fort, et toi moins. c'est un problème. Je vais essayer d'être sympa pour les oreilles de nos auditeurs. Je comprends, pour pas qu'ils mettent le son à fond. C'est ça. Parce qu'après, quand ils vont avoir de la pub, ils vont... Donc ouais, on a eu le sujet un peu en amont. On en avait discuté avec Jacques la veille, il me semble. On avait listé quelques sujets qui nous paraissaient intéressants. Mm-hmm. Il y avait aussi des porteurs de projets qui étaient venus pitcher leurs projets. Donc ça, c'était la première fois. Que j'avais déjà fait une autre Creative Jam qui était sur le recyclage, et ouais. Où c'était pas le cas. Et donc sur celui de la santé, il y avait des gens, notamment Dre Packer, qui était sur la drépanocytose. D'accord. Donc c'était, pour le coup, c'était vraiment ciblé. Et donc ça nous avait un peu attiré aussi. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui chapeaute, entre guillemets, le groupe, nous aurait peut-être un peu freiné dans la création et dans le temps. Donc on a préféré partir sur un sujet libre. Ouais. Et donc le carnet de santé, c'est une des toutes premières idées qu'on avait listées, et parce que la plus évidente d'après nous. Et au final, en voyant qu'aucun des autres groupes ne le prenait, on s'est dit pourquoi pas nous ? Pourquoi pas vous ? Alors qu'on pensait que ça allait être un sujet qui allait être pris d'assaut par tout le monde. Et au final, on s'est aperçu qu'on était les seuls à en parler, et malgré tout, on s'est dit voilà, c'est parti, quoi, c'est notre sujet. Et dans tous les cas, vu qu'on n'avait que deux jours, on pouvait pas repasser toute la matinée à penser à un sujet. C'est ça, redémarrer de zéro. Hein. C'est ça. C'est clair que les Creative Jam, c'est un exercice qui est toujours c'est un peu costaud, parce que tu es obligé de mouliner rapidement, tu es obligé de trouver les idées, tu es obligé de trouver le vecteur graphique qui va permettre justement d'avoir de tirer ton épingle du jeu. Et là, donc, je suis sur la collection qui a été réalisée par Johan Funes, qui est avec vous dans le chat, hein, d'ailleurs, de temps en temps. Il postera des liens s'il y a besoin. Vous pouvez chercher sur Behance, c'est Funzy, Funsy, Funes Johan. Et vous verrez qu'il a rassemblé dans ses collections, donc justement, les différents projets qui ont fait partie de la Creative Jam for Wood. C'est plutôt quelque chose d'assez sympathique. Ça permet du coup de retrouver Santéo, mais ça permet de retrouver aussi tous les autres projets qui sont dans cette collection. Donc on avait eu Beauty Food, on a eu le travail sur Alfred. Assistant pour les personnes âgées, pour les personnes atteintes de Parkinson. C'est Parkinson. Hein, ouais. Voilà. Tout à fait. Normalement, on doit pouvoir le trouver. Voilà. Parkinson au départ. Ouais. Et en fait, chacun des participants à la Creative Jam for Good a pris en main un des projets, un des thèmes qui étaient proposés, et a trouvé l'angle d'attaque sur ce sujet-là. Et ce qui est intéressant justement pour nos utilisateurs et pour les gens qui reviennent sur ces sessions, c'est qu'on voit justement tout le travail en amont, c'est-à-dire le pitch, comprendre un petit peu ce qui s'est mis en place, la méthode de travail des uns et des autres, parce que vous n'étiez pas tout seul aussi sur le laptop, il y avait des gens pour vous aider, ouais, vous guider. Des coachs, un peu. Des coachs, ouais. Ouais. Qui étaient du coup sur peut-être non seulement l'organisation, mais aussi des points de vue techniques aussi derrière. Je sais qu'il y avait quelques personnes des équipes Adobe qui étaient là pour vous dépanner dans les moments les plus cruciaux. C'est ça. On a évidemment les méthodes qu'on retrouve régulièrement sur l'expérience utilisateur, c'est-à-dire les post-it, la réflexion, la réorganisation des contenus, le travail sur les différents écrans, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, qu'est-ce qu'on ne va pas mettre dedans, parce que je pense que c'est aussi un truc qui est assez important. En deux jours, en fait, on n'a pas le temps de tout développer. Il faut vraiment qu'on se focalise sur les options, je sais pas le mot exact, mais les fonctionnalités qu'on veut mettre en avant, les plus importantes, quitte à squeezer toutes les pages de connexion, toutes ces choses-là, qu'on fait en fait
dans un second temps, parce qu'il y a quand même une restitution qui est faite, mais une semaine plus tard. Une semaine plus tard, c'est-à-dire quand c'est déjà un petit peu plus... c'est intégré, ça permet de revenir. Hein. On a un pitch au bout des deux jours qui est plutôt à huis clos avec les participants. Et ensuite, une semaine plus tard, on a un pitch devant le public, entre guillemets, les gens qui veulent venir voir. D'accord. Donc là, qui est plus travaillé avec effectivement les pages Behance que vous voyez là. Ouais, parce que c'est vrai que c'est toujours en plusieurs temps. Donc toute première partie en amont, est-ce que je vais à la Creative Jam, le sujet. Deuxième partie, enfin non seulement le sujet, mais aussi monter les groupes. Aussi, ouais. Et ça, on va en parler dans deux minutes, c'est-à-dire comment on monte son groupe et comment on trouve son binôme. Parce que je sais qu'il y a des gens qui se connaissaient, d'autres qui se connaissaient pas forcément. Ouais. Donc ça va être intéressant. Et puis donc, la première restitution sur place, et une semaine après, une page Behance qui est montée, qui est organisée avec les couleurs, les typos, les iconos, les premiers contenus, et même pour Drepa, qui avait été un des sujets, le fait de pouvoir visualiser le prototype, de voir son fonctionnement, etc. etc. Donc c'était vraiment des contenus assez, assez complets. Il y a toute cette partie de création qu'on voit là, mais il y a aussi toute la partie qui va être la réflexion. Donc la méthode UX qui essaye d'être enseignée sur un laps de temps très court par le laptop notamment. Ouais. Donc ces choses de post-it, de comprendre, de diverger, donc avec des empathy maps, des expériences maps, qui finalement prennent pas mal de temps et qui laissent peu de temps à la création sur ces deux jours très courts. Quoi. Ouais, tout à fait. Après, heureusement qu'on avait... ce que j'ai trouvé vraiment super intéressant, c'est que c'était tout ce qu'on fait normalement sur pendant la création d'un projet réduit sur un jour, et toute la partie en amont, justement toute la partie problématique, d'écrire une personne, le persona, qu'est-ce qu'il veut faire avec cette application, c'était super important. Ouais, mais c'était très rapide, mais c'était super important. Et nous, ce qu'on a fait, c'était on s'est auto-régulé, on se disait on se coupe pas la parole, on se contredit pas, on essaie juste de comprendre et on essaye de pas avoir d'ego par rapport à nos idées, et ça, je pense que c'est ce qui a vraiment super bien marché avec nous, c'était que quand on proposait une idée, on en discutait. Et si à un moment on se disait ouais non, on va peut-être pas l'intégrer en fait, et du coup on passait à autre chose, et ça, on a pu faire ça super super rapidement, et ça a permis de bien faciliter toute la démarche créative. Ouais, le côté pas couper la parole, d'ailleurs vous m'en voudrez pas, hein, j'ai pas encore pris vos règles. Ah, pas de souci sur ça. le côté pas couper la parole et être capable de jeter une idée dès le départ, c'est quelque chose que vous aviez en amont ou que vous avez découvert sur place ou... Non, parce que on en parlait tout à l'heure, mais en fait avec Jacques on se connaissait pas, on n'avait jamais bossé ensemble avant ce week-end créatif. On s'est rencontrés lors d'une porte ouverte d'une école, je sais pas si on peut dire le nom, qui est Iron Hack sur Paris, et on s'est rencontrés là-bas, et au final on a gardé contact via Instagram, on a suivi nos comptes entre nous. Et on s'est revu du coup à un événement au laptop. D'accord. Qui n'était pas celui pour présenter le de Creative Jam. Creative Jam. Je trouve ça UX-Rex classique. Le premier. Et on s'est revu et il m'a proposé est-ce que tu fais la Creative Jam sur la santé? Je fais je sais pas, j'ai pas forcément prévu, le sujet m'inspire pas plus que ça pour l'instant. Et il m'a dit si tu le fais, moi ça m'intéresserait de le faire avec toi. Et du coup, moi je me suis dit, allez, banco, c'est le moment de tester le truc, quoi. C'est ça, ouais, on n'a rien à perdre, ces deux jours, c'était une période sur laquelle j'avais encore un peu de temps, donc du coup, go. Et au final, ça a très bien marché, et les règles, c'est Jacques qui les a instaurées. Ouais. Et c'est vrai que ça marche très bien, je conseille à toutes les personnes qui travaillent en groupe, c'est ne pas couper, ne pas avorter une idée avant qu'elle ait été... posé sur le papier ou même dite à l'oral entièrement, et ensuite revenir dessus et réfléchir à plusieurs pour que ce soit bénéfique pour le projet. Ouais, carrément. Du coup, je veux bien, maintenant qu'on a vu à peu près le cadre général, qu'on vienne un petit peu sur l'un et l'autre,
et vos parcours l'un après l'autre. Par qui je commence? Par Jacques ou par Nicolas? Comme faire un pire feuille papier ciseaux. C'est ça. Ouais. Bon, bah, sinon je vais commencer peut-être parce que en gros. Je partage ton écran comme ça on voit un petit peu qui tu es. Ou ouais, bien sûr. Hop. Comme ça, si jamais t'as besoin de naviguer dessus. Ouais, bah en gros, moi je pars de. Enfin, école de parcours, école de commerce tout simple. plusieurs jobs. Ouais. Et rapidement, je me suis dit, il me manque quelque chose et. J'ai pas l'impression que je réponds vraiment à un besoin des gens. Et du coup, je me suis intéressé à l'UX et l'UI design. Ouais. J'ai commencé en autodidacte, j'ai quitté mon dernier job, commencé par en autodidacte sur des sites comme Open Classrooms, Coursera, Skillshare, que j'avais toujours aimé, toujours avoir ce côté créatif dans ce que je faisais. Et en participant également à plein de conférences organisées par le laptop, donc voilà, j'ai saigné Meetup, Eventbrite et tous ces sites. Tous les sites justement où on retrouve les communautés, c'est ça. On arrive à créer du lien, enfin des réseaux peut-être. C'est ça, bah il y a ça, puis aussi j'ai fait même des choses qui... Des ateliers design thinking. D'accord. Des meet-up entre freelance, entre personnes en freelance, parce que ça m'intéressait aussi et que, voilà, en étant totalement nouveau sur le monde design. Et j'ai commencé par là et j'ai voulu faire la Creative Jam parce que j'en avais jamais vraiment fait et que j'avais rien à perdre et que je me suis dit que c'était toujours. C'était toujours de toute façon une expérience de plus. Ouais. Même si derrière il y a la peur de se dire, mais je suis pas. Enfin. Je suis qui pour faire ça, quoi, alors que j'ai jamais vraiment fait J'ai jamais fait du X avant, je sais même pas comment ça marche la création. Et après ça, j'ai fait du coup une école qui s'appelle Ironhack, du coup, celle dans laquelle on s'est rencontrés. Et après, là, je suis actuellement en recherche d'emploi dans l'UX, UX designer. Frais dispo. Frais dispo, tout à fait. Ça, de toute façon, je pense que ça arrive un petit peu partout. C'est-à-dire que on est tous en train de regarder des projets sur lesquels les gens ont l'air d'avoir 50 ans d'expérience, où on leur demande d'être du full stack, profil en T, mais quand même full stack. Donc d'être capable de tout faire, de tout savoir, de tout connaître en ayant moins de 25 ans si possible. C'est ça. C'est un peu le nerf de la guerre en ce moment, quoi. Et idéalement de connaître toute la planète pour être capable de parler à un tel, etc. Toi, quand tu as commencé à parcourir les Eventbrite, les Meetup et autres, comment est-ce que tu es arrivé là-dessus dans un premier temps? Bah, c'était tout simplement parce que j'avais, tout bêtement, j'ai eu l'impression que j'ai eu un parcours assez classique sans vraiment jamais me poser de questions. En gros, j'ai fait école de commerce parce que c'était ce qui m'apportait peut-être tout ce bagage un peu business et que ça me permettrait de trouver un travail plus tard. Ensuite, j'ai fait ce travail-là parce que j'étais intéressé par le secteur. Et en fait, je me suis dit que j'ai jamais vraiment pris de grosses décisions. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est parti. Et du coup, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour rencontrer des personnes, discuter avec eux. Je me faisais un truc tout simple, c'était qu'à chaque fois que j'allais à un événement, je repartais minimum avec 3 profils LinkedIn. D'accord. Donc ça me forçait à aller voir des personnes. Je me suis inscrit sur plein de Slack différents, de designers, de... product, j'ai posé des questions, j'ai discuté avec des gens et puis voilà, à partir de là, je me suis j'ai commencé comme ça. Lancé. Et c'est pour ça que et j'aime beaucoup le fait de rencontrer des personnes parce que surtout dans l'UX design, j'ai vraiment l'impression que la communauté est hyper soudée et que on sera toujours là pour aider l'autre parce que c'est j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est encore assez neuf. Surtout en France, que ça commence un petit peu à se développer, mais que c'est quand même un petit peu le début de l'aventure. Et du coup, c'est pas vraiment une concurrence, c'est pas vraiment une critique pour faire une critique, c'est vraiment de l'aide, de l'entraide, et on donne les conseils pour quelqu'un qui, si on voit que la personne est motivée, et on va tout faire pour l'aider.
Carrément, carrément. Moi, je me rends compte en fait que j'ai suivi ces communautés-là parce que j'étais, je suis passé au laptop régulièrement. Donc ça m'a permis de rencontrer, de découvrir les lieux, de rencontrer les gens et par osmose, je dirais, d'acquérir une partie des méthodes. Alors évidemment, j'ai aucune expertise sur le sujet, mais c'est un endroit qu'on aime bien, avec lequel on travaille régulièrement, notamment ben, parce que sur le laptop, on va être capable de retrouver, Pauline avec son environnement, et je trouve que sa manière de fonctionner fait qu'elle a réussi à être capable d'agréger des profils différents, c'est-à-dire qu'elle est vraiment dans le cœur du métier du X, dans le sens où elle est capable de parler à un développeur, elle est capable de comprendre les besoins d'un graphiste, elle est capable de traduire les idées du client. Alors, c'est pas que ça, évidemment, mais il y a un petit peu tout ça. Je vous passerai le lien tout à l'heure des différentes sessions photos qui ont été réalisées donc autour du laptop, que ce soit leur propre saison de boulot, mais aussi tous les Meet the Talent, et notamment on a eu un Meet the Talent la semaine dernière sur le laptop, avec trois artistes pareil qui étaient sur place, et pour le coup il n'y avait pas de challenge créa sur cette session. L'idée, c'était vraiment de présenter des boulots, comprendre un petit peu qui fait quoi, et je pense d'ailleurs, pour les gens qui suivent un peu la chaîne YouTube, vous devriez retrouver certains d'entre eux prochainement chez nous, donc ça va être c'est le petit plus sur le sujet. Et Johan fait remarquer que surtout ils ont des très bons sujets autour de la créa. Alors, attention, j'ai fait un truc trop bizarre. Hop. Rassurez-vous, tout va bien, et on va se remettre en plein écran là-bas. C'est ce moment où mon écran me lâche. Je débranche les joies du direct. Les joies du direct, mais tu vois, le direct sans déconnecter. On commence à être un peu habitué à ce genre de choses. Et du coup, Nicolas, qui es-tu? Comme je disais tout à l'heure, moi je suis graphiste, je suis en freelance. Ouais. Au niveau de mon parcours, je pense qu'il a été assez classique pour celui d'un graphiste. Mmh. C'est-à-dire que j'ai fait un bac pro en communication graphique, ensuite j'ai fait un BTS en graphisme aussi, multimédia, ensuite j'ai fait une licence pro. Après que ça a un petit peu dévié, donc je suis parti sur un stage, et ensuite qui a débouché sur un emploi, mais qui n'était pas dans du graphisme pur, mais qui était dans un atelier de collaboratif à Paris qui s'appelle Draft Atelier. D'accord. Et où en fait là j'ai plus fait de la 3D, fait de la CNC, enfin tout ce qui est de fabrication. C'est quoi la CNC? La CNC, c'est, on va dire, une machine pour découper toutes sortes de matériaux, mais principalement à plat. Mm-hmm. Donc vous mettez un panneau de bois de 3 mètres carrés, et vous venez avec vos fichiers 3D les usiner mm-hmm. pour derrière avoir du mobilier ou des petites choses. D'accord, et ça c'est des choses qui sont entourés, il y a des gens pour vous éviter de vous couper les doigts, ou vous... Oui, du coup là c'est moi qui étais formateur sur ces machines, et du coup femme manager ensuite. Mm-hmm. Donc je faisais aussi tout ce qui était formation effectivement sur les 3D, les découpes laser, CNC, de la menuiserie aussi. On avait des petits workshops, venir fabriquer son skateboard, on arrive les mains dans les poches. Nous on a tout le matériel, les trucks, les roues, on vous forme, vous choisissez votre gabarit, votre personnalisation, et à la laser on venait graver la planche. Donc j'ai fait tout ça, et donc j'y suis resté 6 mois de stage et un peu plus de 2 ans en CDI. Et à la suite de ça, j'avais fait un peu le tour, et donc, du coup j'ai décidé de me mettre en free, parce que j'avais notamment un projet perso avec des amis qui est celui d'une application mobile qui s'appelle Strat. Mmh. Donc si vous voulez voir, ça s'appelle strat.io. Strat.io, avec un E ou pas de ou... Si, avec un E. Strate.io. J'y suis passé il n'y a pas longtemps. Et du coup, qui est une application qui vous permet de poster des photos. Et ces photos sont visibles sur l'application, mais uniquement à l'endroit où elles ont été prises. Mmh. Et par contre, par toutes les personnes qui ont l'application. D'accord. Donc ça, c'était le principe. Et donc c'est un projet sur lequel je me suis bien investi. Après du coup mon passage chez Draft Atelier. Mm-hmm. Donc
ça a été hébergé au niveau de Rennes, parce que du coup mes amis ils sont. Ouais. Donc on a fait un accélérateur qui s'appelle la French Tech. Donc c'était un accélérateur de 3 mois où on a réussi à avoir un financement. Et à la suite de ça, on a continué. On a même fabriqué une borne photo. Donc avec mes compétences et l'aide de Draft Atelier, du coup, où j'avais travaillé à fabriquer la borne. Et on est ensuite allé sur des festivals de musique pour présenter l'application et la faire découvrir au plus grand nombre. Donc voilà. Et puis ensuite, bah, je continuais en parallèle de ça le graphisme, mais en free. Mm-hmm. Donc avec des clients divers, des entreprises à Paris. D'accord. Les indépendants, voilà. Et du coup, t'as commencé à mettre en place un portfolio sur Behance ou un... Ouais. Il y a beaucoup de choses dessus, parce que j'ai vu que Johan était en train de partager les portfolios les uns des autres. Ouais. Mets-toi en plein écran sur cette fenêtre, sur ce format-là. Quand je change vos écrans, quand je switch vos écrans, pouf. Voilà. Donc, là, ce qu'on retrouve, il y a deux projets... qui sont les deux derniers, qui sont du coup les Creative Jam. Avec Santéo. Santéo, on prendra un peu plus de temps après, mais on va faire les autres. Bah, on peut ouvrir le Copen, qui était du coup la première Creative Jam que j'ai faite au laptop. Ouais. Et donc là, qui était un projet sur le recyclage. Et on est parti sur une application. Enfin, on partait du postulat qu'on ne savait pas dans quelle poubelle jeter nos déchets. Donc on sait à peu près que le carton, ça va dans la poubelle jaune, le verre dans la poubelle à verre, mais il y a plein de petites subtilités où en fait ce carton-là ou ce plastique-là en fait ne va pas dans cette poubelle et on ne le sait pas, donc on trie mal. Et donc l'idée, c'était que cette application, grâce à un système de scanner, un peu à la Yuka si vous voyez, vous venez scanner votre produit et l'application, elle, sait l'emballage qui la compose et vous dit du coup ce truc là va dans cette poubelle là. Mmh. Et comme ça, vous vous posez plus la question et vous triez bien. Et c'était aussi géolocalisé parce qu'en fonction des arrondissements ou des endroits où vous habitez, les tris sont pas faits de la même manière. Donc voilà, donc ça va se présenter comme ça. Donc ça ressemble vraiment à Yuka sur cette page de scanner. Ouais. Et du coup, pour l'appareil, c'était dans le cadre d'une Creative Jam, et du coup, pareil, sujet, mise en place... Tout pareil, ouais. Donc là, avec une personne que j'avais pas rencontrée avant, donc c'était effectivement pendant ce premier rendez-vous, avant le week-end, où on présente le projet. Ouais. Moi, c'était un peu mon pied d'entrée au laptop. J'avais entendu parler de ça, j'ai vu qu'il y avait Adobe XD, c'était quelque chose qui sonnait dans mon oreille, et j'avais pas encore eu le temps d'expérimenter vraiment. Donc ça a été un peu ma première expérimentation sur XD. Et donc j'ai rencontré cette personne qui s'appelait Emma, et donc ça s'est aussi très bien passé, on a travaillé 2 jours ensemble, qui elle avait plus un profil UX on va dire, mais au sens large. Je pourrais pas dire exactement quel était son métier. Son métier, c'est Data Analyst Social Listening Specialist. Voilà. C'est pas moi, c'est elle qui le dit. C'est ça. Donc, mais très intéressant, pleine de peps, beaucoup d'idées, très content du résultat. Donc, c'est une petite vidéo, je peux. Vas-y. Je sais pas si je suis sur l'écran. Je sais pas si on aura l'audio, on est sur l'écran. Il n'y a pas d'audio, très bien. Donc, avec la bouteille, le scan, on scanne notre code barre. Donc, là, il nous dit que c'est la poubelle jaune. On peut même demander quelques informations, pourquoi dans cette poubelle jaune. Donc, un petit peu de data. Des informations un peu marrantes. Enfin, marrantes. C'est plus fun que sur le thème de la Creative Jam for Good. C'est ça. Comme info. Vous allez mourir bientôt. Et oui, il y avait aussi la possibilité, parce que si vous êtes face à un emballage mais qu'il n'y a pas de code barre, comment ça se passe, par exemple, une conserve. Du coup, là, en fait, il y avait une sorte de base de données qui se faisait avec une recherche par image. Donc c'est quel matériau, quel format, quel objet. Ouais. Et il vous disait aussi dans quelle poubelle le jeter. Et après, il y avait d'autres possibilités que aussi de localiser justement les fameuses poubelles jaunes, vertes, marron autour de vous pour aller les jeter dans la bonne. Donc, voilà, c'est pas un sujet très glamour, mais qui est quand même assez important. Donc voilà. Et il y avait le petit plus qui était une poubelle connectée. Donc j'avais designé en 3D
avec ce même système de scanner en façade de la poubelle. Vous venez scanner votre produit juste devant votre poubelle, mmh. et là le bon bac venait s'ouvrir en fonction du déchet que vous présentiez à la poubelle. D'accord. Donc quelque chose de très ludique, même les enfants peuvent utiliser, même si je pense que c'est pas forcément eux qui savent le moins. Ouais, je pense que les mêmes commencent à être ouais. ils ont régulièrement au moins une à deux fois par an dans les écoles des échanges sur ça, sur qu'est-ce qu'on recycle, où on jette et tout, parce que exactement. On a tous appris quand on était petit à jeter nos déchets dans une poubelle et pas à terre en vrac. Ouais. Pour certains c'est pas encore complètement rentré dans les mœurs, mais tout à fait. Mais voilà, profitez que les mômes aient entre 3 et 10 ans et soient encore en plein apprentissage frais pour leur faire acquérir des bons réflexes. Alors que nous, on n'a pas le droit à ça. D'avoir encore des bons réflexes. Avoir des, avoir des cours sur comment bien trier, malheureusement. Donc, avec un petit logo qui était celui-ci, la typo, les couleurs. T'as conçu les icônes sur place aussi ? Non. Ceux-là, oui. Ouais. La partie du haut, oui, et ceux du nom en du dessous, non. C'est un super site que j'utilise tout le temps, qui est The Noon Project. The Noon Project. Ah. Qui est vraiment une base de données de Picto à foison, qui est très très bien. Ça nous a bien aidé sur la Creative Jam, d'ailleurs. Ouais, sur la deuxième Creative Jam, c'est aussi, Par là, une librairie de Picto qu'on a pris. Ouais. Parce que dans un laps de temps de 2 jours, on n'a pas forcément le temps de créer des pictos. Comment Johan ne vous a pas montré comment faire votre dessin, le scanner, le vectoriser, l'envoyer dans Illustrator? Il nous a montré, mais on avait envie de quelque chose de plus pointu, ouais. avec un design un peu plus léché que juste un crayonné vectorisé rapidement. Ouais, bien sûr. Et l'avantage de Noon Project, c'est qu'il y a des designers, mais il y a aussi ils postent leurs travaux, mais il y a aussi des collections. D'accord. C'est-à-dire si on se base, je sais pas, sur le thème de la nourriture par exemple, il va y avoir plein de designers qui vont avoir des collections basées sur la nourriture ou avec le même style. Et c'est ce qu'on recherche aussi, c'est d'avoir quelque chose qui soit assez homogène ouais. pour une création. Tout à fait. Chose qu'on ne pouvait pas forcément avoir si on dessinait à la va-vite. Parce que ça, mine de rien, faire des icônes, ça prend énormément de temps. Ouais, c'est clair. C'est clair, moi je vais faire de la propagande parce qu'on on est chez Adobe, j'aime bien ça, puis c'est un peu le jeu. Je vous partage mon écran en 2 secondes. Juste petit sondage, est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent un peu Adobe Stock? Parce que j'en parle régulièrement. Quand on est à la recherche justement d'une icône, là tu cherchais quoi? Des icônes food? Ou des icônes poubelles? Allez, on va chercher food, ce sera toujours plus sympa. Ce sera plus sympa, regardez. Voilà, donc pareil, vous êtes dans un rush, une deadline qui arrive, on vous donne le projet, il faut que vous vous débrouillez là-dedans et être capable de trouver le bon style, trouver la bonne manière d'aborder les pictos et pouvoir directement les intégrer, travailler dessus. Quoi. Il y a toute cette recherche-là. Et effectivement, ce que tu me disais qui était hyper important, enfin je trouve, et qui était de se dire, bah ouais, mais tel utilisateur, j'aime bien son style et j'aimerais bien voir s'il a fait autre chose. On peut cliquer sur le nom du designer et du coup voir tout ce qu'il a proposé. Donc soit des déclinaisons du même contenu, soit justement ici il a 116 icônes, 96 sur le business, etc. Et quand on commence à adhérer à un style et qu'on a besoin de la cohérence, c'est peut-être là, ça fait peut-être partie des choses sur lesquelles on va aller rechercher ça. Tout à fait. Cardinal voudrait le lien de cette page Behance. C'est plus une page Behance chez moi, c'est stock.adobe.com, mais je vais vous la partager dans un instant. Voilà, allez, je retourne chez toi pour les autres projets. Et donc du coup, après il y a une petite typographie que je m'étais amusé à faire qui était notamment Strat, donc la ville dont je vous parlais tout à l'heure, qui est assez simple. Je sais pas s'il en existe sûrement des semblables à partir de juste de formes géométriques qui étaient du coup celle-ci, des carrés, des ronds, donc qui donnaient quelque chose comme ça. Donc en régular, les nombres, j'ai même tenté quelques glyphes. La version bold et la version light. Voilà. Donc là, mise en place.
Combien de temps ça t'a pris pour faire ça, par curiosité, juste hein. Alors ça, je l'ai fait sur Illustrator, et au niveau du temps, je me dirais que c'est, bah, ça n'a pas été fait d'un seul coup, parce que l'idée, ouais, c'était juste pour le logo à la base, donc j'ai fait juste les lettres. STRATE. Exactement. Voilà. Et ensuite, ça a dû me prendre une demi-journée, je dirais, pour faire le reste. Ouais. Après, ni pour la déclinaison des typos, des graisses, c'est juste un petit contour en plus, un petit contour en moins, donc vu que c'est tout au trait. Tout au trait, réflexion en amont sur comment réussir tout ça. Et la finalisation, c'est quoi? Tu t'en es servi que pour le logo ou t'as exporté une... Que une pour le logo, ouais. J'avais annoncé que j'allais la mettre... Ouais, parce que le logo, il y a un soon. Et c'était en mars dernier, donc il y a bien un an. Ok. Et non, toujours pas d'actualité ce partage, mais... ouais... Rester connecté. Je sais pas si Adobe a un logiciel qui permet de faire des typos. Est-ce que oui. Alors oui. Pas Adobe. Ah. Directement, on a Illustrator. Vous connaissez Illustrator. Oui, ça oui. A priori, tu l'as. Mais pour pouvoir l'utiliser ensuite comme une typographie classique. En gros, on a une boîte qui s'appelle FontSelf. Des gens que j'ai déjà reçus ici chez nous régulièrement parce que je les aime beaucoup et qui sont hyper sympas. Dont tout le travail a été de partir en fait de... Ah oui, non, c'est vrai que ça démarre toujours de manière un peu brutale. Ouais. Tout le travail a été de partir de Glyph Illustrator, de générer en fait un alphabet, et à partir de cet alphabet, de glisser l'ensemble des lettres, et de les glisser, et de pouvoir les utiliser, online ou offline, c'est d'ailleurs, l'accent. Directement. Et ça vaut quasiment rien, ça vaut, je crois, 50 balles l'application FontSelf. Il y a une version pour Photoshop aussi, parce qu'il y a des gens qui aiment bien faire des typos aquarelles, en mode des brushes, etc. Des brushes, ouais. Et donc voilà, quoi, il y a pas mal de trucs, il y a pas mal de choses, et si vous cherchez sur la chaîne YouTube Adobe France, je les ai déjà reçus une fois ou deux pour parler justement du projet, parce que moi, en étant un habitué d'Illustrator, j'ai trouvé que c'était plutôt très chouette. Malin, ouais. Alors pendant ce temps-là, le chat se déroule tranquillement, je vous poste des liens de temps en temps, Johan aussi, et il y a François qui nous demande est-ce qu'on va bientôt parler d'Adobe XD. Oui, rassurez-vous. Oui. Mais comme d'hab, donc pour ceux qui découvrent en fait la chaîne YouTube, hein, je vous mets un petit rappel sur la chaîne YouTube Adobe France. En fait, vous allez avoir très régulièrement donc des live sessions, des sessions sur plutôt en mode tutoriel, découvrir des outils, découvrir des projets, etc. Et des masterclass. Mais dans les masterclass, vu que moi j'ai déjà tendance à vous faire des contenus exprès sur les applications, j'ai plutôt tendance à... J'essaye de réserver du temps à nos invités, de parler avec eux de ce qu'ils font, d'où ils viennent, etc. etc. D'où l'idée. Pas d'impatience, on va y venir, il n'y a pas de souci. ok. Est-ce qu'on regarde encore un projet ou deux ou... Dis-moi. On peut, ouais. Les deux dernières, du coup, c'était un peu... On passera au projet de Jacques. C'est un peu pareil dans l'esprit, dans la recherche. Dans l'esprit des week-ends créatifs, mais là c'était à Nantes, du coup c'était des start-up week-ends à Nantes. Mmh. Et donc j'en ai fait deux aussi, on peut regarder sur celui-là, dans lequel on peut peut-être trouver une petite résonance avec Strat, qui était en fait de pouvoir géolocaliser mais des musiques. Donc, c'est-à-dire D'accord. qu'on arrive dans un lieu, on peut écouter la musique que ce lieu, que les gens écoutent dans ce lieu. Donc peut-être si vous allez sous la tour Eiffel, ce sera du PNAF, ou peut-être du PNL maintenant. Mais... Ouais, je pense qu'on est plus sur PNL maintenant, le PNAF on doit le réserver au café des Deux Moulins. C'est peut-être. Donc du coup, avec... voilà. Je sais pas quand il y avait Deux Moulins dans ce truc. Je sais pas. Mais t'étais pas né quand c'est sorti à Amélie. Si, quand même. Donc avec la possibilité du coup de soit partager une musique, soit découvrir une musique en fonction du lieu dans lequel vous vous trouvez. Bon là les designs ont un peu vieilli, on va dire, et à ce moment-là c'était encore tout sur Illustrator. Mais donc voilà, et retrouver des musiques en fonction de l'endroit dans lequel vous êtes, et des petites pages personnelles s'il y a une personne qui justement pose des musiques qui vous plaisent pour venir découvrir l'ensemble de ces partages. Et un dernier qui était du coup Coffee Work, donc pareil sur un startup weekend, donc même principe, deux jours de création,
Pareil, avec des beaux iPhones du passé. Des iPhones du passé. Je sais pas, je pense que c'est un 5. Et du coup, avec des designs aussi un peu du passé. Mais donc là, le principe, c'était... Il y a de plus en plus de gens qui travaillent soit chez eux ou en dehors de leurs locaux, en tout cas. Mm-hmm. Donc c'était de répertorier dans une application tous les lieux où vous étiez entre les bienvenus pour venir faire du coworking. Donc ça pouvait être des bars comme des coworking. Et de notifier si vous pouviez y manger, si vous aviez une prise internet, de la musique, pas de musique. Et du coup, tout ça noté. Mm-hmm. Pour voilà. D'accord. Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour toi. Sur cette perche bien, après. C'est, non, mais c'est pas on mal. On peut aller sur Dribble, mais je préfère te laisser la main à Jacques. Non, en fait, tu triches. Tu nous as dit que t'étais un peu timide et que tu osais pas parler. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Si, un peu quand même. Si. Ouais. Et du coup, c'est le piège en fait. Il y a plein de gens qui sont en train de te regarder, mais tu les vois pas parce qu'ils sont remplacés par cette caméra là-bas. C'est ça. Voilà. Si, il y a un petit chat où on voit. C'est j'ai ça. Vu un très belle moustache, Nicolas. Ah. J'ai vu passer ça. Ça moi, j'ai vu passer ça aussi sur la moustache. Hein. C'était un critère. J'ai pas réussi en fait. Hein. Ça revient souvent, ça revient voilà, souvent. Nicolas, belle moustache, merci Abdeseron. C'est noté. Mais. Fallait que ce soit dit dans tous les cas. C'est un peu une marque de fabrique. Merci, oui. Monsieur Céron. Tu croyais que c'est le Céron qui fait la musique ? Ouais, qui fait la musique, j'aimerais bien. J'adore. Tiens, on va partager ton écran pour parler des autres projets aussi, Jacques. Yes. Alors moi, c'est des projets que j'ai fait dans le cadre de ma formation chez Ironhack. Mmh. Du coup, c'était trois projets. Le tout premier que j'ai fait, en fait Ironhack c'est une école pour un mode bootcamp, c'est-à-dire 2 mois et demi pour apprendre l'UX et l'UI design. Mm-hmm. C'est pour ceux qui, même en partant d'un parcours qui n'a rien à voir comme barman ou juste des personnes qui sortent tout juste du bac, mm-hmm. et qui veulent se former. On vient avec nos différents bagages et on met ça sur la table. Et du coup, on devait faire trois projets, donc toute la partie UX et mm-hmm. toute la partie UI, ouais. Avec plus ou moins de temps. Donc ça, par exemple, c'est Maison Plisson, c'était un projet sur ce qu'on appelle e-grocery. Mmh. C'était tout ce qui était la vente en ligne de produits frais, comestibles, et du coup ça pouvait, on a eu différents types de projets, il y en a qui sont partis sur Monoprix, Marks & Spencer, d'autres qui sont partis sur la grande épicerie de Paris, tout ce qui est un peu plus haut de gamme. Mmh. Nous on a décidé de se baser sur Maison Plisson, qui est une petite enseigne qui fait du haut de gamme, du produit de qualité, circuit court. Et le but c'était de faciliter en fait la vie des personnes qui n'ont pas forcément le temps d'aller dans ce genre de boutique. D'accord. Parce que c'est pas comme un Monoprix, c'est pas comme un Franprix, c'est pas présent proche de chez soi. C'est vraiment un lieu où on va. Et, mmh. En étant sur Paris et avec toutes les contraintes que ça impose, le train de trajet, etc., c'était un peu compliqué de pouvoir se nourrir bien, et très souvent on se repliait sur des solutions un peu fast-food, supermarché à commander, et du coup là c'était pour ceux qui étaient un petit peu intéressés par le côté j'ai envie quand même de cuisiner des bons produits, j'ai envie de manger bien. Mm-hmm. Et du coup nous ce qu'on faisait c'était que alors sur ces projets, j'ai vraiment montré toute la partie UX, et j'ai mis plus en avant la partie UI, mais la partie UX me semblait vraiment importante, surtout dans... Enfin, parce que de toute façon, c'était le thème un peu du... C'est un peu le thème, ouais. Du bootcamp, et dans tous les cas, c'est aussi pour voir aussi un peu ma réflexion. Mmh. Et du coup, on fait une petite présentation, on donne le brief, j'explique un petit peu le user research. Ouais.
Parce que ça c'est un point qui va être hyper important. Je sais qu'on a on a fait déjà pas mal de sessions avec Johan autour d'XD, autour justement de la compréhension non seulement de cette application Adobe XD, mais surtout de tout le contexte autour. Et la recherche, en fait, c'est le point qui est qui n'existait pas dans les métiers créatifs jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on avait effectivement des planner strat, on avait des créatifs peut-être qui allaient à l'instinct ou à l'intuition sur des solutions visuelles. Ouais. Et la partie recherche, en fait, c'est vraiment ça qui fait partie des méthodes. Je réagis en fait à l'une des questions de Cardinal Insider qui dit dans mon pays, il n'y a pas d'école du UI ou du X obligée de faire de l'auto-formation. Et est-ce qu'il existe des certifs, des diplômes? Et je vois que ça échange derrière, donc formation en continu, les auto-formations, et fabriquer des projets pour faire un portfolio. Quoi. Ouais. Bah après, j'ai aussi pas mal appris sur le tas. J'ai appris Illustrator en suivant des cours sur un site qui s'appelle Open Classrooms. Mmh. Et aussi en suivant des vidéos YouTube dessus, parce que ça m'intéressait. Et on est toujours beaucoup plus à fond quand on a vraiment envie de faire ça. Et moi, ça, là où je galère un petit peu pour suivre des choses dans lesquelles je suis pas forcément intéressé, là ouais, ça m'intéressait vraiment. Okay, voilà. Et après oui, le user research, c'est ce qu'il nous disait, c'était que c'était important, c'était que il fallait toujours mettre un peu de contexte dans ce qu'on faisait. Et si on partait juste à l'instinct, le problème c'est que l'utilisateur final, c'est pas forcément la personne qui est derrière l'ordinateur à designer des outils, des apps, des sites internet, c'est-à-dire que on n'aura pas exactement la même utilisation du service comme on pourrait l'avoir une autre personne. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment faire des user research, des interviews, des questionnaires en ligne, avoir le maximum d'informations pour ensuite réussir à définir qu'on souhaite attaquer comme problème. Et du coup, c'est à partir de ça qu'on part du persona, qui est un petit peu le regroupement en fait de toutes ces toutes les informations qu'on a pu avoir et qui nous sert un peu de cible. C'est un peu, en fait, ouais, c'est ça, c'est que c'est à la fois la cible et c'est à la fois le cadre. Et parfois, et nous, notre but, c'était de créer des MVP, donc le produit minimum viable product. C'est si on se base pas en fait sur un persona et sur des données, on peut très facilement partir sur plein de fonctionnalités différentes. Et en gros, à chaque fois, on utilisait ce persona pour vraiment nous freiner, dit mais est-ce que ça c'est vraiment utile dans son cas? Dans ce cas-là, ouais. dans son cas précis. Et la plupart du temps, on disait non. D'accord. Donc ça permet de dire, voilà, d'écrémer le projet au fur et à mesure, de pas se lancer dans on va réinventer la roue, refaire tout. Et il y a ça, et aussi, enfin moi ce que j'ai trouvé, c'est que ça enlevait tout le côté égo. C'est-à-dire que, mais non, c'est pas. Je dis pas que ton idée est mauvaise, mais c'est juste que, est-ce que si tu te bases sur le profil de Mélanie, voilà, on va l'appeler Mélanie, voilà. Est-ce que ça lui répond vraiment à son besoin? D'accord. Et en fait, ça permet d'externaliser un petit peu ce côté, c'est de l'autocritique, mais ça permet d'externaliser ça, et du coup, quand on travaille en groupe, et là, je travaille en groupe, ça permet de pas se focaliser sur la personne. Voilà. C'est un thème qui revient vraiment depuis qu'on échange là avec vous deux. Le côté pas se couper la parole, être capable de jeter une idée, s'appuyer sur justement cette méthode de technique et de recherche pour ne pas être pour limiter l'ego. Pour limiter cette implication qui est peut-être un peu à la fois le cœur du métier des designers depuis, peut-être pas toujours, mais quasiment, quoi, et qui limite les questions de diva, est-ce que je suis capable justement d'être séparé du produit sur lequel je me suis impliqué. C'est ça. Comment on arrive justement à continuer l'implication sans que ça nous bouffe, sans que ce soit assimilé, sans qu'on soit assimilé à son produit. Ouais.
Et en fait, je me suis aussi basé là-dessus à partir d'une UX-Rex organisée par le laptop, qui montrait un petit peu comment est-ce que les entreprises fonctionnaient vis-à-vis de l'UX. Donc soit les personnes étaient totalement à fond derrière et comprenaient toutes les spécificités et du coup c'était très simple de leur expliquer comment on fonctionnait. Bien sûr. Et il y avait les autres entreprises qui n'étaient pas du tout impliquées, qui ne connaissaient pas vraiment et où ils expliquaient que le travail de designer était vraiment plus compliqué que ça parce que pour ces entreprises-là, un designer c'est quelqu'un qui va rendre quelque chose beau. C'est pas forcément quelqu'un qui va répondre à une solution et qui va avoir pour cible un utilisateur. Sauf que tout le processus créatif et toute la création d'une solution, ça vient derrière par un. C'est la cible. C'est tout ce qu'on fait en fait, c'est pour une cible. Enfin bref, je pourrais m'étendre vraiment beaucoup là-dessus, on va continuer. Et du coup, on est venu avec une application mobile ça permettait de créer des paniers préparés pour que la personne puisse recevoir à la maison déjà les éléments. Voilà. Et en gros, c'était un panier personnalisé, on pouvait ajouter ou enlever en fonction de ses envies. Et on avait aussi ce côté qui était qu'on a envie d'être aussi un peu surpris quand on va commander dans ce type d'enseigne où on veut tester des choses nouvelles. Et du coup, on s'est dit, le panier préparé, ça répond bien à cette demande parce que ça permet de proposer des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé en temps normal. Carrément. Et du coup, pareil, là, sur ce projet-là, donc tu es à la fois sur la recherche, mais aussi beaucoup sur la création. Surtout, oui. Ouais. Ouais, et moi, j'aime beaucoup le côté recherche, venir avec des solutions. Mmh. Ça, j'adore ça. Mais j'aime beaucoup aussi créer. Et j'aime bien. J'essaie de faire. Vu que je suis encore un petit peu. Nouveau, j'essaie de m'imprégner un petit peu de tout ce que je vois aux alentours, que ce soit sur Behance, Dribble, etc. J'essaie de voir qu'est-ce qui peut te concerner. Ouais, voilà. Et en gros, comment je fais, c'est qu'à chaque feature, j'essaie de voir ce qui a déjà été fait et je me prends 10 illustrations de ce que j'aime et j'essaye de donc pour le côté préférence je vais rechercher des choses qui ont déjà été faites et qui marchent. Pour le côté formulaire, remplir un formulaire, je vais voir ce qui a déjà été fait. Et là, l'avantage c'était que mes emplissons avaient des valeurs assez fortes et ils aimaient beaucoup le côté un petit peu dessiné, ne se prend pas forcément au sérieux, le côté un peu léger, et moi c'est ce que j'aimais bien. Et du coup j'ai commencé à faire ça, des différents screens sur comment en fait tout allait se dérouler. Et voilà, lui en une semaine c'était fait, et quand c'est mon premier projet c'est quand même assez c'est assez grisant de réussir à avoir un résultat fonctionnel, utilisable pendant tout le c'est monde. Ça. Et alors on a travaillé sur Sketch. Ouais, et le problème c'était que j'ai pas l'impression, ou j'ai pas encore trouvé, si Sketch pouvait s'exporter sur Adobe XD. Et du coup on était obligé de faire les mock-up. On a fait ça, mais en fait sur Marvel. D'accord. Ah oui, donc vous avez vraiment pris toute la suite des outils autour. Ah oui. Mais en fait ce qui est horrible, moi ce qui m'énervait, c'était que Marvel, on peut pas avoir on peut faire des animations, mais ce sera toujours du clic nouvelle image, image. Ouais, c'est pas de l'animation, voilà. Et du coup moi je me suis intéressé j'ai regardé Principle, qui est un outil d'animation qui en soi est assez proche de ce que peut proposer Adobe XD. Ouais, carrément. Et vu que je n'étais pas sur Adobe XD, je me suis dit je vais me baser sur un nouveau logiciel qu'on avait vu, et du coup à partir de ça j'ai créé des animations, et ce qui moi m'a permis aussi de rendre l'application beaucoup plus vivante et de faire tout ce que je pouvais pas faire sur Marvel. Ouais, carrément. Moi là je vais vous passer un petit lien justement sur la page produit d'Adobe XD, parce que je sais que c'est une
Une des grandes questions. XD, en fait, c'est le challenger, c'est le nouvel arrivant sur toutes ces applications-là. Et il y a énormément de contenus qui sont réalisés. Donc, je vous passerai le lien dans le chat tout à l'heure. Mais il y a plein de petits plugins. Mais ce qu'il y a de encore mieux, vous verrez, hein, c'est l'onglet ressources et c'est la partie intégration applicative. C'est que XD, depuis. Alors, je ne vais pas dire depuis le début, hein, parce qu'il a d'abord fallu concevoir le logiciel, mais il s'intègre avec d'autres applications. Protopy, Avocode, Zeppelin, Simply, KiteApp, justement pour tous les gens qui ont besoin d'aller au-delà du premier rendu, qui vont avoir besoin de donner des specs qui seront carrés sur le développement, qui ont besoin de donner des animations qui vont être un petit peu plus poussées. On a fait d'ailleurs sur la chaîne YouTube Adobe France des sessions sur les fonctions d'animation à l'intérieur d'XD, parce que les transitions automatiques entre deux vecteurs, super, c'est incompréhensible et c'est magique. Enfin, c'est incompréhensible. Ça a vraiment ce côté magique, en fait. Clairement. Et puis derrière, lorsque vous en avez besoin, lorsque vous avez besoin de découvrir, alors je sais que comme c'est rangé dans les kits d'interface utilisateur, les gens y vont au départ pour la partie Apple, Google et Microsoft, mais derrière, n'hésitez pas à regarder ce qui a été développé, parce que ça, c'est un des kits que je présente en permanence dès que je présente XD, c'est le kit de Howard Pinsky, qui est un fou furieux d'XD, qui fait des tonnes de trucs assez folles dessus. Alors, faut que je retrouve où je l'ai chargé. Hop, XD. On va lancer XD, ça va être bien. Je commence à avoir pas mal de contenu sur cette machine. Et dans ces ressources, justement, dans ce contenu-là, en fait, il est allé trouver pas mal de petites solutions. C'est-à-dire que si je regarde les écrans, on se dit, ok, ben, il y a du avant-après à l'intérieur, à quoi ça va ressembler, comment est-ce qu'il va faire la transition d'un élément à l'autre, etc. Et ce qu'il y a de magique dans XD, c'est que si je fais play sur un bouton, je peux voir, justement, hop, non, je peux pas voir. Juste cliquer, peut-être. C'est ça, juste cliquer. Just click it. Ou celui-ci. Je sais qu'il nous a mis des petits trucs dessus. Faut que je retrouve justement s'il y a de la fonction dessus. Hop. Fonction, play. Ouais. Et du coup, à chaque fois qu'on a un petit besoin à l'intérieur d'XD, qu'on a besoin d'aller découvrir une nouvelle fonction ou un nouvel outil, il y a plein de trucs qui ont déjà été explorés par d'autres. Et là, par exemple, les courbes animées sur son module, hop, on passe d'un écran à l'autre, tic, tic. On peut tester. Alors là, à chaque fois, on a des boutons traduction, etc. Il y a pas mal de plans de travail sur lesquels on va pouvoir se baser, et on va pouvoir retrouver en fait la décomposition, comment il a travaillé lui sur un élément de base pour aller au bout, comment il est allé gérer ici un dashboard complet. Hop, on va se mettre un peu plus de place, tic. Avec le dashboard par jour, par semaine, par mois, comme on pourrait l'imaginer là-dessus. Et tout ça, en fait, ça vous donne des pistes, ça vous permet de comprendre sur chaque plan de travail comment les calques ont été organisés, comment les éléments ont été mis en place. C'est que ça devrait faire plaisir à je sais plus qui de me demander quand est-ce qu'on rentre dans XD. Voilà. Après. Pour le coup, enfin, nous, quand on était à la Creative Jam, on a vraiment appris. Moi, j'ai pris une vidéo sur YouTube d'un mec qui s'appelle, se nomme Coursetro. C-O-U-R-S-E-T-R-O. C-O-U-R-S-E-T-R-O. Et en gros, il a plein de cours et de vidéos sur comment faire une animation d'un menu qui s'affiche, comment utiliser tel ou tel outil, et c'est pas uniquement sur Adobe XD, il y a aussi d'autres, mais c'est grâce à lui en fait où j'ai compris un petit peu le mécanisme d'Adobe XD, et c'est à partir de ça qu'on s'est basé pour faire les animations derrière. Ouais, carrément. Animation automatique. Les animations automatiques, par rapport à Principle, où là faut vraiment gérer la totalité de tout ce qui va arriver. C'est vraiment simple une fois qu'on a saisi un petit peu le truc, et après oui, faut vraiment aller beaucoup plus loin pour comment ça s'appelle, pour
trouver les limites. Pour trouver les limites, ouais. Mais c'est cool parce qu'en fait, c'est hyper créatif. C'est que comment réussir à trouver la solution pour quelque chose où on se disait non, mais c'est pas possible de faire ça avec Teams. Et ben, en fait, si c'est possible, si c'est possible, mais il faut trouver le hack. Ouais. Mais c'est enfin, non, c'est super, super intéressant pour le coup. Est-ce qu'il y a une bonne ressource pour mettre du motion dans un site? Nous demande Gaëtan Picot, pas en tant que prototypage, mais en prod. Ah, c'est une bonne question, Gaëtan. On va y revenir bientôt, pas aujourd'hui. C'est pas du tout le bon moment. Mais oui, Animate est une très bonne option, et notamment sur ses exports animés, et After aussi, avec notamment Lottie, qui est capable d'exporter du SVG qui bouge, enfin du vecteur qui bouge. Voilà, mais c'est pas le sujet du jour. On va se focaliser sur ce qu'on est venu se raconter aujourd'hui. Allez, un dernier projet. Ouais. Allez. Dernier projet. Allez, le projet un petit peu plus pro, c'est mon projet final qui a été effectué en fait avec Backmarket. Backmarket, c'est un site internet qui revend des produits reconditionnés. D'accord. D'ailleurs, ce MacBook vient de chez Backmarket. Je les en remercie. Et du coup, le but, c'était actuellement, ils ont une plateforme de revente où on peut revendre son portable, sa tablette. Et le problème, c'était que le design était un petit peu était pas foufou, et que l'expérience client n'était pas la meilleure. Et du coup, à partir de là, moi, ce que j'ai aimé là-dedans, c'était que c'était mon vrai projet, où j'avais une entreprise derrière moi et où j'avais besoin de toujours penser à ce que l'entreprise, ce dont l'entreprise avait besoin potentiellement. Et là, c'était pareil, un petit projet rapide de 2 semaines où on devait faire à la fois la partie UX avec toutes les interviews, tout ce dont j'avais expliqué, les surveys, les interviews, les définitions des problématiques, prototypage, parce que bien évidemment, avant que ça arrive sur ordinateur et sur Adobe XD ou sur d'autres outils, ça commence par du papier. Et le papier, ensuite, on le fait tester comme si c'était un vrai ordinateur ou un vrai portable. Et on essaie de voir où les personnes cliquent et ce qu'ils s'attendent à avoir derrière. Donc ça, c'est toute la phase de conception, qui a duré une bonne semaine et 2 jours. Et après, il y a toute la dernière partie qui est plus la partie UI, donc où on va derrière mettre la couleur, mettre les belles formes, les belles animations. Et là, le but, c'était pour ce projet-là de faciliter en fait l'expérience pour que ce soit beaucoup plus transparent, parce que les gens ne savaient pas, quand on vend un produit sur internet sans rencontrer de personne, on se dit, mince, mais à qui je vends, en fait, à qui je vais le vendre, avec qui je vais échanger sur ce sujet, c'est là, ça c'est... Et du coup, là, le but, c'était que à la fin de, quand on a décrit tout le produit, à la fin, on a un prix qui est proposé, et soit on l'accepte, soit on le refuse. D'accord. Et si on l'accepte, on reçoit un kit d'envoi, on envoie le kit et on reçoit l'argent sous 7 jours. D'accord. Mais voilà, et vu qu'il y avait besoin de tout ce côté rassurant, et que le site actuel t'étais très bien dedans, ne bouge pas, tout va bien. Je suis dans le téléphone. Non, t'inquiète. T'étais dans le site. Vu que le projet actuellement, enfin le service ne répondait pas à ça, du coup ils m'ont laissé un peu carte blanche sur l'UI. Mais sur l'UX, je me suis quand même, enfin dans tous les cas, l'UI, je me suis quand même cantonné à ce que je savais de Backmarket, qui est un site un peu orthodoxe. Je pense que si vous y allez, vous comprendrez un petit peu ce que je veux dire. Quand on décrit l'état d'un téléphone, et que c'est soit shiny pour les plus nickel, soit Stallone pour les plus défoncés. Voilà. Faut le savoir, faut être au courant. Ouais, voilà. Et en fait, il y a aussi ça, ce problème, c'est que ce côté un petit peu drôle, parfois les personnes ne le comprenaient pas. Et du coup, c'est réussir à être assez transparent aussi dans cette feature-là. D'accord. pour que les personnes puissent être satisfaites et utilisent l'outil. Et du coup, je me suis basé sur j'ai fait un truc tout simple, c'est chose qu'il n'y avait pas actuellement, c'est tout simplement un onboarding qui permet d'expliquer en fait tout le processus. Et étant donné que le processus est très long,
ça permet de comprendre un petit peu comment ça va se baser, comment ça va s'effectuer. Et à partir de là, j'ai refait un peu toute la démarche avec comment ça marche. Beaucoup d'informations. Où trouver les informations sur le type de modèle, comment savoir la capacité. Bah, faut aller sur réglages, général, utilisation. Et là, on peut avoir, les informations et toujours un suivi derrière très important. Je vais laisser le petit mock-up qui aurait pu être un petit peu mieux, mais bon voilà, c'est Marvel App et c'est aussi un projet de 2 semaines, et donc c'est compliqué à faire, mais c'est un super projet, et pour le coup voilà, et moi qui n'avais jamais fait du X avant, pouvoir me dire que j'ai fait ça de mes mains, et en plus que l'entreprise était super contente de ça et qui me dit non mais c'est, enfin, j'avais pensé à ça, on va l'intégrer à notre prochaine version, enfin c'est génial quoi. Ouais, c'est assez gratifiant, ouais, hein. Voilà, bah alors non, c'était gratuit parce que c'était un projet d'école, mais effectivement la magie des projets d'école, ouais. Classique. Ok. Est-ce que du coup on commence à regarder un petit peu le projet Fantéo, parce que on a parlé de tout sauf de celui-là, volontairement je nous l'ai gardé un petit peu sous le coude. On regarde chez toi ou on regarde chez Nicolas? Plutôt chez Nicolas, je pense, ce sera peut-être le plus simple, parce que toi t'as le... Sur le, de l'officier, toi, t'as les sources on pourra regarder un tout petit peu le bien ce qui va avec. Merde. ça fera pas de mal, mais effectivement on va migrer là-bas. Tu me dis quand on... Ouais, c'est à peu près bon. C'est bon, c'est bon, c'est propre, c'est organisé. Ouais, à peu près. T'as rangé ta chambre. C'est propre. J'essaye. Parfait. Donc voilà, ça ressemble à ça, vu de loin. Mm-hmm. On peut se demander pourquoi il y a des écrans blancs, mais c'est justement pour les animations. D'accord. Sur les animations, il y a des choses que tu fais disparaître complètement Sur les animations, c'est plus Jacques qui s'y était attelé. Moi, j'avais plutôt fait les designs. Mais effectivement, en fait, il me semble qu'il y a un fondu blanc. On peut regarder ça. Allez, c'est parfait. Hop, donc on est sur cette page-là. Donc là, c'est au niveau de la création du projet, au niveau de c'est la première page d'accueil. Enfin, c'est ça. Là, on arrive sur la page de connexion, donc où on vient se loguer avec son numéro de sécurité sociale, son mot de passe. Donc là, c'est dans le cadre où quelqu'un a déjà créé son compte, bien sûr. On se connecte et là voilà, c'est le petit le fameux connexion. Petit fondu, hein. C'est ça. Oh. Donc avec ces petites animations de briques qui arrivent. En fait, juste pour revenir pour ce côté fond blanc, comme on était un petit peu pressé par le temps, on bricole. Ouais. Et c'est exactement ce que c'était que j'avais pas regardé s'il y avait moyen retrouver exactement les objets ou... Oui, voilà, je savais pas si on pouvait mettre un petit peu plus de temps entre les deux animations pour se faire. Moi j'ai juste dit il faut que on passe de ça à rien, à rien et ensuite tout, et à re quelque chose. Et en gros, le fait d'avoir mis ce fond blanc, en fait, normalement, ce qu'on voit pas, mais c'est qu'il y a dans ce fond blanc là, je crois qu'il y a quelque chose qui est en invisible normalement, qui est ou peut-être pas du tout. Peut-être pas. Hein. S'il y a quelque chose, alors mettons en design plutôt, comme ça on aura les calques. Ouais. Donc il y a un calque fond blanc. C'est juste le fond blanc. C'est juste le fond blanc. Et ok. Ouais. Parce que en gros, là où de ce que je me souviens, parce que ça fait un petit moment, ça fait un bail, en gros, il faut que pour qu'une animation soit lancée, là on peut le voir, pour qu'une animation soit lancée, il faut qu'il y ait quand même dans le plan avoir les différentes choses. Et en fait, elles sont en opacité minimum, mais il faut qu'elles y soient, parce que sinon l'auto-animate ne fonctionne pas correctement. Alors en réalité, et ça va répondre à la question de je sais plus qui voulait des bouts de méthode, l'idée c'est vraiment de savoir ce qu'il y a sur vos plans d'une étape à l'autre. C'est ça. Alors, je partage vite fait chez moi, donc je me suis remis sur XD. Si je viens sur un plan avec un élément, que je duplique ce plan, lorsque je regarde sur mes calques, tu vois, il y a bien inscription ici, et je vais avoir inscription sur le deuxième élément.
qui fait que, par exemple, je décide de les mettre en bas pour faire un onglet ou autre. Quand je vais être en proto et je vais lui demander de passer au clic sur le plan vers le deuxième, à l'appui, je lui demande de faire non pas une transition, parce que ça c'est plus très drôle maintenant, on a les animations automatiques, je lui demande de faire l'animation automatique, et à partir de là, en fait, dès que je vais cliquer, pouf, j'ai cette animation qui s'est mise en place. Mais c'est vrai que si j'étais parti en me disant, bah ouais, mais en fait, dans mon deuxième plan, j'ai pas cet élément-là, il aurait dû deviner justement comment gérer la transition. Et par défaut, tout ce qu'il devine, il le met en transparence. Ouais. C'est fondu au blanc pour les objets qui disparaissent quand il n'a pas l'équivalent d'un élément existant. Mais si par contre, je copie cet élément sur la partie design et que je vais le coller sur l'autre plan et que je le déplace maintenant, je fais super attention parce que de temps en temps, il va me renommer les éléments. Si c'est des groupes, si c'est des groupes de calques, etc. Ou si même simplement, ce que je faisais aussi régulièrement, c'était de glisser des éléments qui pouvaient justement changer de nom. Et du coup, ils n'étaient pas forcément au même endroit, à la même position. Donc ça demande, c'est une toute petite gymnastique quand on a envie de faire des animations qui sont subtiles. Quand on est juste en mode pressé par le temps, je pense qu'effectivement, la solution, il n'y a plus rien sur le plan et on est en fond blanc, au moins tu es tranquille. Oui. C'est ça, c'était pour passer de la page de connexion à cette première page. Ça aurait fait un fondu total de toute cette première page qui n'aurait pas été jolie. Donc le fait de passer par une page blanche nous faisait une petite belle transition. Et là, du coup, on voit comment on a créé l'animation pour faire arriver les briques une par une. Ouais. Elles sont en fait en dessous du calque. Et tu retrouves ce groupe. Ouais, mis de manière un petit peu les unes après les autres. C'est ça. Ça donne une animation un peu sympa. C'est ça. Qu'on peut revenir. Vas-y, Je remets l'anime. Hop, ça monte. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qu'on va voir aussi, et que vous découvrirez quand vous testerez XD, c'est que quand je duplique un plan, le plan d'où je viens, et que j'ai déjà mes objets, je sais déjà qu'il va y avoir une animation automatique, le truc, c'est que quand je vais sortir les objets, ils feront quand même partie du contenu du plan de travail. Mm. Parce que si je sors les objets du plan de travail, lui il considère qu'ils font plus partie de ce plan en question. Et on le ressent d'ailleurs, parce que tu vois, là, quand le plan est sélectionné, on voit apparaître par transparence les objets, alors que si j'avais juste pris des objets sur un plan pas animé, ils auraient été visibles, ils auraient été en mode c'est sur le plan de travail, on peut l'utiliser n'importe où, ou c'est souvent ce qu'on a dans XD de la description, pour bien organiser tout l'espace autour. Johan qui nous dit il faut des objets à animer, en fait, tout à fait, et en fait vous partez de l'état de fin pour faire vos animes. Exactement. C'est ça. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un état de début et un état de fin. Et en gros, l'animation, c'est comment est-ce que à partir de cet état de fin, en fait, d'où vont arriver les objets. Qu'est-ce qu'ils vont faire là dans ce cas-là, c'est d'où est-ce qu'ils vont arriver? C'est assez évident, ouais. Et en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que dans cet état de fin, il faut que les objets soient présents déjà dans l'état de début, mais qu'ils soient pas forcément visibles, pour ensuite qu'ils puissent apparaître, et lors de la transition, que ça passe du début jusqu'à la fin. Ouais, super. C'est un peu compliqué à comprendre comme ça, mais regardez juste sur YouTube regardez sur YouTube comment ça marche et comment c'est de toute façon, en fait, je pense que ça c'est un truc qu'on a depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on a tendance à designer les écrans, donc les états réellement, c'est-à-dire voilà, le moment où je me connecte, il y a un écran avec des cases pour se connecter, le moment où je suis arrivé, il y a un écran avec ces éléments-là, et la manière dont je vais le fabriquer, je sais que je dois atteindre mon état de fin. Cet écran, ouais. C'est ça. C'était vraiment un petit plus, parce que quand on est arrivé sur le week-end, on n'avait même pas pensé à faire ce genre d'animation, et c'est vraiment le deuxième jour où Johan nous a dit « Mais attendez les gars, vous êtes bien avancés, il y a des équipes qui font des animes, faut que vous fassiez des petites animes, quoi. » Et du coup, on fait ok. Bah, Johan, il est coach anime. C'est ça. Comment ça marche? Regardez, je prends ce bouton, je le mets là,
je le mets plus petit, hop, ça fait ça, avec l'animation automatique. Et nous, on a fait, waouh, mais c'est trop bien. Et à partir de là, Jacques s'est lancé tête baissée dans les animes, et c'est vrai qu'on en a un petit peu, et on en verra d'autres après, mais on a essayé de les utiliser. Ouais. Ouais, donc vous avez animé complètement tout le carnet. Allez, on continue de se promener. Ouais. Vas-y, je t'en mets un petit, tac. Non, bah continue à partir de là, ouais. Donc on est là. Lors de notre présentation, on allait ensuite dans les infos. Donc on retrouve encore une petite animation qui est celle-ci par le bas. Donc on allait dans les cartes de poids. Donc là, c'est des slides vers la gauche assez simples. Pas vers la droite d'ailleurs. Des petites flèches retour. Bon. Tac. Il y avait aussi tout ce qui était allergie avec des petites listes. Et du coup, de ce que je comprends, c'est effectivement, quand Johan est venu vous voir par rapport aux animations, vous aviez déjà globalement mis en place tous les écrans, enfin, ou la plupart. C'est ça. Ouais, alors, quasiment. Par contre, en gros, ce qu'on faisait, c'est là où on s'était super bien partagé les tâches, c'est-à-dire que pendant que Nicolas continuait sur lui global, moi j'essayais de voir pour justement faire des animes... qui est un petit peu la patate. Ouais, même si on n'était pas sur les designs finaux, ça nous permettait de se dire, ok, donc ça on peut le faire. Ouais. Et ensuite, après, j'envoyais ça à Nicolas. C'est lui les récupérait pour mettre ce sur quoi il avait travaillé. Ouais, on a hâte qu'on puisse travailler à deux sur le même fichier, mais on sait que c'est compliqué, mais bien, c'est pas bientôt, facile de travailler à deux sur le même contenu. C'est vrai. Surtout quand on est sur le design, on a du mal à lâcher un peu de lest des fois, mais là pour le coup, pour les animes, ça aurait été vraiment très pratique. Alors lâcher du lest, ouais, et puis surtout lâcher le. Quand on voit la complexité des artboards, parce que sur l'écran d'accueil, quand il n'y a encore que quelques champs de texte, ça va, mais quand tu commences à arriver là avec plein d'infos et tout, c'est loin d'être simple. C'est vrai. Je sais plus si on en avait mis. Non, là, le, ah, si. Je... ah oui, tiens. Une petite anime là. On avait fait ça. Ouais. Redécouvrir le projet, c'est ça. Ouais. Redécouvre ton carnet de santé, est-ce que tu vas bien? Donc voilà, on revenait sur la page principale et ensuite ce qu'on proposait donc sur notre appli, c'était de partager en fait ces données avec un médecin. Parce qu'on partait du principe que nous, en tant que jeunes travailleurs, on se déplace pas mal, on n'a pas forcément notre médecin traitant. Donc on n'est pas forcément dans son environnement direct. Un généraliste qui connaît pas notre carnet de santé, donc le coup c'était de lui partager de nos informations. Donc quand on cliquait sur partager mes infos, on pouvait choisir ensuite ce qu'on souhaitait partager. Parce que si par exemple on va avoir un généraliste pour une certaine pathologie et qu'on veut aller en voir un deuxième parce qu'on n'est pas satisfait de ce qu'il a dit, on pense qu'il n'était pas vraiment... je ne trouve pas mes mots, mais... on veut une deuxième consultation, on pouvait... Donc, ouais, on était capable de décocher les précédentes consultations pour pas que ce médecin... se fie soit biaisé, qu'il n'y ait pas d'influence sur la vie. Sur son avis. Vous êtes en train de refaire Parcours Santé là. Ouais. Ok. Oui, parcours de soins coordonnés. On s'est dit en deux jours, on a le temps. Après, c'est quelque chose qui nous a été un peu reproché sur les pitchs finaux. Pourquoi ne pas donner accès à certaines informations? Ça après. C'est discutable. Quel est mon avis éclairé dessus? comment le gérer par rapport au médecin? En fait, le truc, c'est que j'avais aussi, j'avais contacté moi une amie à moi qui était justement dans le corps médical, qui connaissait un petit peu toutes ces problématiques de sécurité, de partage de données, et à quel point c'était compliqué. C'est vrai que toutes les questions à la fin, ça a été sur les informations et les informations et la sécurité des informations. Qui accède. La question de confidentialité, c'est clairement très important. C'est, de toute façon, je pense qu'on a beaucoup ça, parce que c'est vrai que quand on va pour un rhume et tout, c'est pas forcément, c'est évidemment moins compromettant que sur une hépatite ou compagnie.
C'est ça. C'était quelques mois après la loi RGPD en plus, donc les gens étaient à chaud. Si on est en plein RGPD et que tu proposes un truc où tiens, je vais partager mes données, mais pas tout, mais peut-être. Ouais. Et à qui? Comment ça? Et sur quel serveur? Mais c'est ça, c'est enregistré où? Sur la puce, sur un serveur, mais du coup, si le serveur est hacké, bah, tout le monde peut savoir que tu as telle pathologie. Oui, donc c'était privacy by design, nous met Johan. Effectivement, et puis c'est toute la question justement entre mon application à moi, donc qui est super utile de pouvoir déplacer, qui va jusqu'à mon assurance, qui va me tripler ses tarifs. Exactement. Et qui va vers mon employeur, qui va trouver que finalement je suis pas employable. Ouais. Bah ça, en fait, c'est ce qui est horrible. Question d'assurance, elle est ressortie. Ouais, c'était toutes des questions qu'on s'était posées en amont. Mm-hmm. Mais juste, on était là, non mais les gars, on se les avait posé ces questions-là, mais on est tout à fait d'accord avec vous que c'est pas forcément un projet qui, mais il y a deux jours derrière aussi, donc c'est aussi, on n'avait pas voulu se baser sur un truc trop utopiste non plus, mais on n'avait pas voulu derrière aussi se baser aussi sur le réel, parce que dans tous les cas, on n'aurait jamais eu le temps, parce qu'il fallait qu'on... regarde les textes de loi, qu'on voit comment ça marche. Et du coup, c'est là où on se rend compte que ce genre de projet, souvent, ça permet peut-être de focaliser l'attention sur un point précis et de poser les bonnes questions pour la suite. C'est peut-être ce qui commence à se faire beaucoup autour de l'expérience utilisateur, c'est-à-dire être capable de donner un POC sur une partie de contenu. Et pour pouvoir alimenter des vrais projets derrière avec les vraies questions, quitte à ce que dans XD on fasse un proto en deux jours et que derrière il faille 6 ans pour implémenter. C'est ça. Et c'est pour ça aussi que c'est super intéressant aussi de faire des projets absurdes. Mmh. C'est que ça permet de. Enfin, projets absurdes, illégaux ou je sais pas quoi. Non, mais c'est sur des sujets très, très touchy, c'est parce que. Bien sûr. Ça permet aussi parfois de remettre en cause ce qui se passe, se poser les bonnes questions, mais c'est horrible, mais si on le transpose dans la réalité, comment ça marcherait? Un peu à la Black Mirror, quoi. C'est un truc possible, pas encore fait, mais du coup on se dit, ah merde, on a peut-être pas envie d'aller vers là, ou justement, Si, on avait envie d'y aller, ça c'est intéressant. Ou effectivement, on est en plein dans la science-fiction qui a servi pendant des décennies à imaginer des possibles pour être capable d'aller un petit peu au-delà. C'était le rêve de l'histoire qui sert à ne pas répéter l'histoire. C'est exactement ça. Voilà. Et donc là, ce qu'on n'a peut-être pas vu sur la page Binance, mais c'est que le médecin a un doc. Ouais. Donc on peut pas juste partager, ça envoie pas en Bluetooth ou quoi que ce soit. C'est vraiment, il y a un objet qui permet, permet de récolter les informations. Donc là, l'utilisateur ensuite clique sur partager et pose son téléphone ou son device sur le doc et les informations sont partagées. Donc là, le médecin a accès aux informations que le patient lui a bien voulu lui donner, donc son âge, son groupe sanguin, ses pathologies, s'il a des allergies, toutes ces choses-là. D'accord. Et le médecin peut faire son ordonnance. Et là, ce qui était intéressant, c'est au lieu d'avoir une ordonnance papier, vous pouvez la retrouver sur votre téléphone, donc dans l'ordonnance, donc ça permet que vous la perdiez pas. Si vous avez un médicament à faire renouveler tous les mois, le papier au bout de 3 mois il est souvent perdu. Perdu ou en piteux état. Et donc là, en fait, passage dans l'imprimante, ça vous permet de la retrouver. D'accord. Donc de la retrouver même si vous voulez la regarder, si vous vous souvenez plus de combien il faut en prendre par jour, quoi que ce soit. Retrouver la posologie, vous avez la pas posologie. Fait les alertes, tiens, c'est le moment de prendre ta gélule. Si, ah, ça arrive, j'ai grillé la surprise. Ah, spoil, pas de problème. Bon, alors, encore une petite animation. C'est parce que je projette les gens dans le futur. C'est ça. Construire le présent et un meilleur futur. Dirait Johan. je fais que lire. Et hein, donc, voilà. Donc là, on a fait un peu le tour, et l'idée c'était à la fin de la présentation. Hop, une petite notif, petite pop-up. Vous devez prendre votre Spedifen pour soigner votre fièvre. Bien. L'idée, c'est ça, qu'en plus d'avoir l'ordonnance, le médecin puisse, si vous avez activé les notifications, vous rappeler quand prendre votre médicament. Ce qui peut être notamment intéressant pour les personnes qui sont sur des maladies avec des grosses dépendances et des rythmes précis. Avoir la mémoire qui flanche.
Et c'est ça aussi qui était intéressant, c'était que au tout début, vu qu'on savait pas vraiment comment faire le carnet de santé connecté, on était parti aussi, mais moi quand j'avais téléphoné à mon ami, c'était mais on pourrait pas se baser plus sur les professionnels, comment ça marche. Et en fait, tout ça, on le prend en compte, ouais. Et c'est là où justement, enfin, le travail de groupe et le côté persona et travail du X qui a été fait en amont, ça a permis de dire ouais non, on oublie ça, on va se focaliser sur telle personne, etc. Ça permet d'écrémer et d'éviter de perdre du temps. Ouais, et puis ce qu'il y a d'intéressant, c'est que du coup, alors cette démarche, cette recherche, ton appel à un ami, au public. Et le 50-50, c'est quelque chose que vous avez fait dans les deux jours ou vous aviez anticipé du moment où vous aviez le sujet? Ah non, on l'a fait dans les deux jours parce qu'on n'avait pas le sujet le matin même du début de la Creative Jam. Du coup, c'est... Enfin, on allait demander à des gens, on allait les voir, on a quand même fait un petit peu de veille. De veille, voilà, pour avoir un minimum d'informations. Mais voilà, c'était quelque chose qui de toute façon on devait faire parce que on pouvait pas oui, on était potentiellement des cibles, etc., mais il y avait aussi des choses qu'on n'aurait pas pensé. Et parfois il y avait des gens qui nous avaient dit mais oui, mais si je veux avoir ce carnet de santé connecté, mais pour mon fils, ouais, jusqu'où j'ai le droit d'avoir les infos, à quel moment on estime que j'ai plus accès à la lecture de son carnet de santé. C'est ça. Mais dis donc, tu n'as pas pris ton médicament. Mais dis donc, qu'est-ce que tu as attrapé là? Ouais, c'est ça. Maman. Et du coup, ça a été des questions qu'on ne se serait pas posées en amont parce que... On ne savait pas encore qu'on allait faire le carnet de santé. Et puis, tu n'avais peut-être pas ce besoin-là en amont. Oui, voilà. Mmh. On n'avait pas surtout du tout vu toutes les possibilités. On est un petit peu parti là-dedans... carnet de santé ou carnet de santé. Allez. Et après, c'est après où les questions viennent et où on se dit ah ouais, on s'est peut-être attaqué à un gros truc. C'est ça, le projet a l'air cool, la réalisation du projet prend plus de temps, plus de réflexion. Et surtout un gros truc comme ça. Ouais, là je vois Cardinal qui est vraiment en train d'échanger à fond sur les données du local, du serveur, est-ce que c'est chiffré, etc. Attention, ouais bien sûr. C'est ça. C'est ça, c'est toutes les questions qu'on se pose quand on commence à vraiment se mettre face à la problématique. Je pense que c'est un des sujets qu'on a de plus en plus maintenant dans nos rapports aux institutions, dans les rapports justement à tout ce qui est données ouvertes sur la partie citoyenneté. Il y a énormément de besoins là-dedans. Et puis avec des résultats très directs, comme par exemple les liens entre Facebook et les élections américaines ou autres. Ouais. Je pense que les gens commencent à se poser certaines personnes se posent les bonnes questions et n'ont pas forcément de réponse. Bah, c'est compliqué aussi derrière d'appliquer des choses où on se dit bah, faudrait faire comme ça. Oui mais non, parce que derrière ça implique aussi que ce sera négatif pour quelqu'un d'autre et en fait c'est toute une série de questions à la suite tout à fait qui n'a pas trop de réponse. Ok. Voilà. Donc, après il y a aussi vas-y. Un petit calendrier pour retrouver éventuellement toutes ces consultations avec certaines gammes couleurs pour citer des vaccinations, le dentiste, ces choses-là, qui finalement on oublie assez vite. Ouais, et ça, c'est des choses sur lesquelles, en termes d'animation, du coup, vous n'êtes pas forcément étendu dessus, préparer les écrans histoire d'avoir le contenu ou il y a du. Sur ces écrans-là? Ouais. Non, ça a juste été designé, mais ça n'a pas été. Animé. Ouais. Faudra qu'on se fasse des sessions de design en direct. Ouais, alors, la Creative Jam, mais en direct, en filmant les gens pendant qu'ils sont en train de bosser, genre, et alors là, vous faites quoi? Oui. Peut-être on va rajouter une pression un sur la stressant, pression. Ouais. C'est bien. Les anges de la Creative Jam. Bien. Ouais, on en élimine un chaque semaine. Et on l'envoie dans une grosse SS2I. Le Hunger Game du design. Ouais. Bon, bah écoutez, c'était super. Je suis très très content. Est-ce qu'on a encore des écrans très différents à voir ou pas forcément pour l'instant? Non, c'était globalement. Ouais, c'était un beau projet. Merci beaucoup à vous deux. C'était très très cool de pouvoir vous recevoir, de pouvoir échanger sur ce projet-là, sur les différents tenants et aboutissants de votre parcours, de vos parcours, pardon.
des différents outils. Tiens, une petite question de Johan. Comment avez-vous réussi à mélanger UX et UI ? Bah, tout simplement, voilà, fusion. C'était, bah, en fait, moi, j'étais plus, vu que j'avais pas trop de passif créa, bah, ouais. Je me suis dit, bah, je vais faire de l'UX parce que c'est ce que j'apprends en tant qu'autodidacte. Voilà, c'est ce que je suis en train d'apprendre. Mm-hmm. Et en fait, bah, Nicolas, par chance, avait un bon passé graphiste, elle était très bon. Mm-hmm. Et en gros, on a juste mêlé les deux et on s'est bien trouvé pour le coup parce que ça s'est. Ça s'est bien passé parce que chacun aussi a une affinité. Enfin, moi, je suis un UX avec une petite affinité UI parce que mm-hmm. j'aime bien créer et j'ai un œil là-dessus. Mm-hmm. Et Nicolas était un UI avec aussi une affinité UX, c'est-à-dire qu'il prenait dans chacun de ses projets la vision du user, ce qu'il allait faire. Donc mm-hmm. en soi, on a réussi à se compléter là-dedans et. Ouais, bon. Carrément. Puis en plus, toi, tu avais ton passif aussi sur l'école de commerce, sur tes oui. premiers projets en amont, etc. Donc, c'est des choses qui se construisent, qui se nourrissent mutuellement. Et on retrouve de plus en plus des profils très, très, très mixtes, très variés. Mmh. Mais c'est ça qui est cool. Mmh. C'est ça. Jacques avait du coup un peu l'aisance à l'oral pour bien présenter, la curiosité d'aller voir tout ce qui était les petites animations, et puis toute la partie UX avant en réflexion qui finalement. Facilement un jour sur les deux. Mmh. Moi, je suis juste venu mettre ma petite patte graphique sur tout ça, quoi. Mmh. Ouais, carrément. Et du coup, sur XD, vous l'avez découvert tous les deux le jour J ou vous aviez joué un petit peu avant ? Non, j'avais déjà joué avant. Ouais. Moi, j'avais déjà fait la première Creative Jam qui était déjà sur XD. Mmh. Mais non, un petit peu avant. D'accord. Et moi, vu que j'avais commencé à apprendre en autodidacte, c'était un peu l'un des seuls logiciels gratuits pour apprendre à pour faire ça et du coup j'ai commencé là-dessus. C'est vrai, ça c'est un des derniers trucs que j'ai vu passer sur Twitter il y a pas deux jours. Quelqu'un qui a dit qui était mais je vais aller pirater votre XD. Et la première réponse des product managers sur le sujet, c'est quelqu'un lui dit que c'est gratuit. Bah ouais. Mais non, mais pour le coup, moi ça m'a aidé et c'est vrai que tous les projets que j'ai fait, parce que je faisais aussi, ça s'appelle Daily UI Challenge. Mmh, ouais. C'est ouais, tous les jours créer un projet. Bah, je l'avais commencé sur XD et c'est à partir de ça que j'ai fait mes premières armes de UX designer. Ouais. Become a better designer in 100 ouais. days. C'est vrai, le Daily UI Challenge. Ouais. Ça pour les personnes qui sont qui ont besoin de se construire et de découvrir. Ouais, mais et même les plus expérimentés, puisque c'est ce que je voyais, c'était que il y avait aussi des personnes qui sont expérimentées dans l'UI, mais ou même des UX UI designers, mais qui sont focalisés sur un seul projet dans un seul secteur, etc. Ouais. Et là, on leur donne des sujets, bah design un billet d'avion. Dire, enfin, c'est complètement en dehors de tout ce que j'ai déjà fait, ça permet justement de rafraîchir peut-être c'est aussi ses propres compétences et de les reconfronter à d'autres sujets. C'est vrai que c'est intéressant. C'est ça. Alors, il y a Cardinal qui nous pose une dernière question pour approfondir le principe du concept de persona. Moi, j'aurais tendance à vous envoyer, Cardinal, sur une des sessions des XD Fresh qu'on a donné il y a un peu plus de 6 mois maintenant. Où Johan avait justement fait pas mal de tours sur le sujet. Voilà, moi, je crois qu'on est arrivé plus ou moins au bout de notre session. Merci Johan pour le contenu, merci Gaëtan pour le lien, merci à tous de nous avoir suivis. Il va vraiment falloir que je remette en place mon vocabulaire et ma grammaire. Nous retrouvons la semaine prochaine, mardi matin, on aura une session justement sur le SVG dans le Creative Cloud. Alors évidemment, beaucoup d'illustrateurs, mais on fera un petit crochet sur Animate, un petit crochet sur After Effects, parce que ça va être utile, et bien entendu XD. Si vous voulez en savoir plus, il y a toujours les sessions sur la chaîne YouTube Adobe France. Merci à vous deux. Bah, merci à toi. On retrouvera sur la chaîne YouTube très prochainement.
Pour ceux qui arrivent seulement maintenant sur le direct, rassurez-vous, le même lien vous permet de voir le replay. Vous pouvez utiliser la petite barre rouge en bas de votre YouTube et revenir sur le début. Et bah, d'ici là, travaillez bien, produisez bien vos contenus. N'hésitez pas à nous les faire connaître, genre si vous avez... Si vous êtes lancé dans XD à la suite d'une de nos sessions, que ce soit celle-ci ou toutes les autres sur la chaîne, n'hésitez pas à taguer Adobe France, à taguer Johan, etc. pour qu'on puisse regarder ce que vous avez fait, si c'est cool en tout cas. Voilà. Si c'est pourri, ça le sera. Ça le sera. Voilà. Merci à vous deux et à très bientôt. Merci à toi. Salut.